Je n'avais ni mère ni père à un moment donné. C'est-à-dire quand j'ai eu 11 ans, ma mère est partie, donc je n'avais pas de mère, je n'avais pas de père et il fallait me battre. Et je crois que j'avais déjà cet esprit de défendre l'autre. Je l'avais intégré carrément dans ma vie. Et puis, en grandissant, je suis cette personne qui n'aime pas l'injustice. À ça, je me suis toujours battue. Étant toute petite, je faisais tout. Je voyais quand quelque chose n'était pas juste, quand une situation n'était pas juste, j'étais capable de poursuivre l'auteur